s'appelle cette dame-là. Reste assez loin pour l'instant. Moi, ma première question, c'est par rapport aux délais de paiement qui ne sont pas respectés. Là, vous êtes particulièrement en colère, alors ? Bah écoutez, on a été mobilisés durant tout l'hiver dernier et on a demandé à simplifier les démarches administratives. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un monde entre nous et l'administration, puisque nous sommes aujourd'hui avec plus de 500 agriculteurs qui se retrouvent sans paiement, donc des aides PAC qui leur sont dues. Donc 500 agriculteurs qui nous appellent deux jours avant le paiement parce qu'ils ont été prévenus en dernière minute et qui ont des échéances, notamment financières. Donc ça veut dire qu'il y a des prêts à rembourser, il y a des fournisseurs à payer et malheureusement ils ne pourront pas le faire. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que notre administration, elle est tatillonne, elle n'a pas compris le message de la simplification. Et donc plutôt que de faire des contrôles ou d'assouplir les contrôles pour pouvoir permettre le paiement et de les effectuer a posteriori, ben non, ils ont instruit le dossier totalement, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, ils n'ont pas su suivre et malheureusement, on se retrouve avec plus de 500 agriculteurs sans être payés. Donc on voit bien que l'ensemble des revendications que nous avons eues durant tout l'hiver, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres qui nous prouve que en fait, on met les agriculteurs en grande difficulté. Il y a la MHE qui arrive de nos régions et donc en fait tout le monde manque de trésorerie aujourd'hui et l'administration, alors ok, les raisons on les connaît même pas parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas pris la mesure du problème. Moi j'ai eu le directeur au téléphone encore vendredi, mais en fait j'ai trouvé ça hallucinant à quel point il était déconnecté de ce qu'on vit nous dans nos exploitations agricoles aujourd'hui, à un tel point, et ça c'est jamais arrivé, qu'on a des fonctionnaires donc de l'ASP, hein, de l'agence de paiement, qui nous ont appelés de manière anonyme à la FDSEA pour nous dire tous les dysfonctionnements qu'il y avait en interne ASP. Donc moi, j'en veux pas, entre guillemets, aux fonctionnaires qui instruisent des dossiers. J'en veux au système et notamment aux directeurs qui ne sont pas en capacité justement de faire des priorités. On a un exemple concret, enfin, on a beaucoup d'exemples parmi ces 500 agriculteurs ou même 700 peut-être, on n'a pas les chiffres exacts. Hein, et ben, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs. Donc quand on s'installe, ben, c'est difficile. Il faut de la trésorerie, il faut mettre du mou dans l'exploitation agricole. Donc ils n'ont même pas su différencier les dossiers, et d'autant que les dossiers qui ont été retenus, c'est pour des différences, pour des petites sommes, des fois de 3 ou 50 euros à rattraper. Et donc pour 50 euros, vous vous retrouvez pénalisé de 20 000 euros qui devraient arriver dans votre exploitation. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas acceptable du tout. Quoi. D'autant plus que le versement dû par la politique agricole commune, en fait, c'est que ce n'est qu'un acompte.
Donc l'administration en garde 30%. Donc ces 30% devraient pouvoir régler au cas où les petites anomalies qu'il faudrait régler. Et ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'on vous a menti en janvier dernier. Vous avez l'impression qu'on vous a menti en janvier dernier, que vous n'avez pas été finalement entendu et qu'on vous a fait des fausses promesses? Ah mais là clairement, on a pris ça jeudi, on est là en train de manifester lundi matin, c'est qu'il y a un vrai problème dans nos exploitations. Je peux vous dire que le téléphone a chauffé chez nous et il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui que l'administration qui s'est engagée auprès de l'ensemble des agriculteurs ne mettent pas en œuvre. Vous avez 6 mois pour mettre en œuvre, vous avez 6 mois pour simplifier. Moi, mes conditions de récolte sont catastrophiques, mes conditions de semis sont catastrophiques parce que tout est humide. Et ben en fait, je fais le choix de faire un peu moins bien mes semis, mais je sème quand même pour pouvoir récolter l'année prochaine. Et ben l'administration, quand elle ne sait pas faire de manière à 100%, elle fait un peu moins bien, mais au moins elle paye les agriculteurs. Et ça, c'est pas acceptable. Et c'est un problème qu'on retrouve de partout, c'est pas spécifique à l'Alsace. Ah ben globalement, là, c'est notamment le Bas-Rhin qui est plus touché que les autres. Parce que d'habitude, on est à 95% de paiement. Donc, on peut accepter les 5% ou voilà, c'est des gros dossiers. Il y a un petit peu plus, il faut y regarder d'un peu plus près. Et là, on se retrouve à 83%. Donc, on a 17% des agriculteurs qui ne sont pas payés. Donc, en fait, les éleveurs de montagne qui ont signé des mesures agro-environnementales, c'est ce que demande la société en général. Donc, en fait, ils attendent toujours encore leur paiement de 2023. Et l'ASP, donc l'agence de paiement, leur dit qu'ils seraient éventuellement payés en 2025, parfois par manque de contrôleurs. Et donc, en fait, ils n'arrivent pas à les contrôler, c'est-à-dire vérifier les pratiques de l'agriculteur. Et donc, en fait, ils se disent que d'ici 2025, sans doute, ils pourraient les vérifier. Et enfin, ils recevraient le solde de sa mesure agro-environnementale. Franchement, c'est un scandale. Soit ils ont des contrôleurs, ils vérifient si tout est bon ou pas. Soit ils n'en ont pas, ils mettent en paiement, terminé. Enfin, je veux dire, mais vous rendez compte, donc l'agriculteur, il fait des efforts environnementalement, etc. 2023, et on lui dit peut-être 2025. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'agriculteur à l'avenir? Il va dire, bon, normalement, vous oubliez, quoi. Moi, la trésor, je ne vais pas l'avancer, etc., etc. Comment vous l'expliquez, cette pagaille? Directeur de manière globale de l'administration aujourd'hui, eh ben, en fait, faut qu'il ils intègrent ce logiciel-là, c'est-à-dire que c'est aussi les chefs d'entreprise, entre guillemets, donc c'est à eux de gérer les priorités. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous pensez que c'est qu'un début? Certains de vos collègues dans d'autres régions ont annoncé une reprise du mouvement en novembre dès les semi-fêtes. Vous pensez que ça va recommencer comme en janvier dernier? Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, que vu le contexte qu'il y a, là, on nous annonce Mercosur. Donc Mercosur, et puis on nous promet des indemnisations pour dire oui, Mercosur, on sait que ça va avoir un impact sur les agriculteurs, mais on va vous mettre en place une enveloppe pour vous compenser. Nous, on ne veut pas de ça, on ne veut pas du Mercosur. On ne peut pas imposer aux agriculteurs des normes européennes extrêmement strictes et d'un autre côté, importer toute l'agriculture dont on ne veut pas, et c'est ce qui est de nouveau en train de se passer. Et puis on va vous compenser financièrement, on va le faire une année, et puis pas tout le monde, et puis dans 2 ans, ce sera oublié, puis à un moment donné, plus rien du tout, et puis on va importer de la viande bovine aux hormones, on va importer du sucre traité au glyphosate, et puis etc., etc. Et c'est ça, c'est de ça qu'on ne veut pas. Donc on veut une agriculture, on veut une Europe qui protège ses agriculteurs, on veut une Europe qui impose des clauses miroirs, et on ne veut pas ouvrir, on ne veut pas céder, entre guillemets, notre agriculture contre du machinisme ou autre pour vendre des voitures. Donc la colère monte, elle va durer. Et la colère, elle est en train de monter. Je prends l'exemple de la partie, de la directive nitrate. Donc en fait, l'Union européenne, elle dit, oui, il faut gérer les nitrates par rapport à la qualité de l'eau, ce qui est logique, etc. Il faut faire attention. Sauf que la France, elle dit, on gère en fonction des dates. Donc en fait, quand vous avez une date, par exemple, qui est fixée au 15 novembre et que l'agriculteur, il va épandre son fumier au 16 novembre, il va se faire aligner. Mais nous, on travaille avec la météo. Qu'est-ce que ça change entre nous que le fumier soit épandu au 15 novembre ou au 16 novembre parce qu'il a attendu la fenêtre de tir, la fenêtre météo? En fait, tout est comme ça. Et en fait, tout est aujourd'hui réglementé pour pouvoir être contrôlé. Mais nous, on sait très bien que la vie de l'agriculteur, nous, on vit au rythme des saisons, au rythme du climat, des pluies ou pas. Vous avez vu ce qui s'est encore passé cette semaine un peu partout. Nous, la sucrerie, il a failli s'arrêter parce que c'était impossible d'arracher nos betteraves. Donc après, comment on voulait faire? À un moment donné, les semis, ils se font une fois que les betteraves sont arrachées. Les fumiers, on les épand une fois que les betteraves sont arrachées. Et on peut pas épandre du fumier sur nos betteraves. Enfin, c'est l'exemple concret aujourd'hui de ce qui se passe. Et donc, toute cette réglementation, elle exaspère les agriculteurs. Le moral, il n'y est pas parce que les conditions, il n'y a rien qui va. Et de deux, moi, je vous donne rendez-vous dans 10 ans parce qu'en fait, on pousse les agriculteurs à mettre en place des pratiques qui sont anti-environnementales. En fait, c'est ça qui est en train de se passer. Je prends l'exemple de l'azote. En fait, on nous pousse à épandre l'azote à des périodes en fait, qui ne sont pas adaptées du tout au sol, à l'eau, etc. Et donc, c'est ça qu'on revendique aujourd'hui. Donc, du pragmatisme et de la simplification, et ce sera bien pour tout le monde. Derrière des emplois, l'économie ne se développe plus, l'économie ralentit.
Ouais, c'est mieux que le micro quand même. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin. Aussi nombreux vu les travaux dans les champs, parce que là le soleil brille, on ne sait pas combien de temps. Un peu de pluie d'annoncer demain, fin de semaine de nouveau. Donc merci pour cette mobilisation. Moi j'aurais préféré également aussi faire autre chose et travailler dans les champs, semer du blé, récolter, que de se retrouver ici avec les jeunes agriculteurs à devoir constater. Que à la fois au niveau du RPAS, on reprendra la parole tout à l'heure devant l'ASP, qu'au niveau du RPAS, le monde économique et agricole et agroalimentaire n'est absolument pas entendu, puisque c'est ce que je disais à la presse tout à l'heure, merci d'être là aussi, c'est que quand je entre guillemets, pour pouvoir justement avoir un budget à l'équilibre, ben on voit que, à mon avis, il y a quand même des questions à se poser ici, au niveau local, au niveau du département. Donc c'est un dossier qui est suivi par nous, mais aussi l'ensemble des structures économiques, puisque au niveau de la betterave, par exemple, ça représentera environ 1 euro de la tonne. Vous faites 2000 tonnes de betterave ou 1500 tonnes de betterave, vous voyez à peu près, ça vous fait 2000 euros par an sur 10 ans. Vous allez être taxé de 20 000 euros. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, donc c'est un impôt gratuit aujourd'hui, en tout cas pour la CEA, mais pas pour nous. Donc il va nous coûter sur les fermes un certain nombre d'euros. Pareil pour la tonne de blé, pareil pour la tonne de maïs, pareil au niveau de la compétitivité de la laiterie, des animaux transportés, etc. Donc le président Bierry, on a manifesté à Colmar il y a 15 jours, et le président Bierry aujourd'hui passe en force au niveau, donc avec sa collectivité donc à Colmar, où là aussi il y aura des tracteurs et il y aura le monde économique qui sera présent. Ensuite, le deuxième point, c'est l'ASP aujourd'hui qui n'a pas payé ses agriculteurs. Seuls 83% des agriculteurs ont pu bénéficier des aides PAC. Et là encore, comparé aux autres années où nous étions environ à 95-97%. Donc quand durant tout l'hiver, on manifeste, on demande à ce qu'il y ait de la simplification pour aller plus vite, c'est exactement l'inverse qui se passe, puisque on régresse totalement, et ce sont entre 500 et 700 exploitations agricoles qui ont été prévenues 2 jours avant le paiement, qui n'auraient pas ce paiement. Donc on calcule en moyenne 20 000 euros d'aides qui ne seront pas versées en dernière minute. Derrière ça, c'est les échéances du banquier, c'est les annuités du banquier, c'est les dettes fournisseurs, etc. D'autant plus que l'année, elle est quand même catastrophique au niveau des rendements. Au niveau du blé, c'est pas bon. Au niveau des récoltes, c'est pas bon. Au niveau du sanitaire, entre la fièvre catarrhale ovine, le sérotype 3, le sérotype 8, maintenant on parle du 1, maintenant on parle du 12, on parle de la MHE, on voit bien l'impact qu'il y a sur tout le cheptel, aujourd'hui bovin alsacien. Et tout ça fait que nos trésoreries se tendent, des conditions climatiques qui sont catastrophiques, hein, vous voyez bien les récoltes qui ne peuvent pas se faire comme il faut, les semis qui sont dans des conditions catastrophiques qu'on va payer encore l'année prochaine puisque les semis auront été mal réalisés. Et donc une administration qui vit dans une tour d'ivoire, hein, ouais, j'ai envie de dire, hein, on voit le bâtiment d'ici, une tour d'ivoire où quand on les appelle, et notamment j'ai eu le directeur vendredi dernier qui me dit « Ah bon, oui, mais pourquoi ? Oui, mais on a eu des contrôles internes. Ah oui, mais pourquoi que le Bas-Rhin ? Ben en fait, ben oui, effectivement, j'aurais pu les étaler sur les autres départements, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Ben oui, ben on pensait que ça irait, puis c'est pas bien grave si 20% des agriculteurs ne sont pas payés. » En fait, il n'y a eu aucune prise de conscience du côté de l'ASP, et ça, franchement, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors, je pense, quand je dis tour d'ivoire, sans doute qu'il n'a pas lu la presse pendant 6 mois, durant tout l'hiver dernier, alors qu'on était tous mobilisés les uns et les autres. Et ce qu'on a demandé, c'était vraiment quelque chose de facile. Donc, même au niveau de la préfecture, lorsqu'on les a appelés pour dire « Non, mais attendez, voir qu'est-ce qui se passe, etc. Bah, », ils se sont trouvés étonnés, etc. Bah oui, bah, après, ça téléphone au ministère, on essaie d'arranger les choses. Sauf qu'aujourd'hui, on a 83% des agriculteurs qui sont payés et 17%. Plus de 500 qui n'auront pas. Et ça, c'est l'exemple type de ce qui est en train de se passer. Pareil pour la directive nitrate, ça fait un moment qu'on dit que la directive nitrate n'est pas applicable. Donc en gros, si je raisonne, Gérard, toi qui t'occupes de la betterave, bah en gros les fumiers, vu qu'il y a des dates limites, eh ben, on va épandre les fumiers sur les betteraves avant d'être arrachés, puis après on arrachera nos betteraves une fois que le fumier sera dessus, parce qu'on nous dit qu'au 15 octobre ou au 15 novembre, la date doit s'arrêter, que ça soit 15, 16 ou 18 octobre ou 18 novembre. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui
de deux jours de au niveau comment dire des épandages fumier ou autre, qu'est-ce ou semis d'engrais verts, peu importe, qu'est-ce que ça change deux jours dans nos fermes quand on travaille avec du climat, quand on travaille avec du vivant, les hivers, aucun hiver ne se ressemble. Donc en fait, on veut tout administrer pour tout contrôler avec des satellites, etc. Donc quand on ne sait pas faire, et en fait, quand on ne comprend rien, et ben tout simplement, on s'abstient. Et ben aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qu'ils veulent faire. Donc qu'ils viennent de nos champs, qu'ils mettent des bottes, surtout en ce moment. S'ils ne veulent pas les mettre, ben, au moins, ils sauront ce que c'est quand l'eau, elle rentre justement par le dessus des chaussures. Mais aujourd'hui, on a une administration qui est complètement déphasée de ce que vit l'agriculteur. Et puis après, on dit en parallèle, je donne la parole aux jeunes, et puis on va dire aux jeunes, bah écoutez, installez-vous. Voilà, on va vous soutenir au niveau de l'installation. Oui, on va vous donner des aides. Qu'est-ce que c'est 5000 euros encore aujourd'hui d'aide quand on voit ce que nos compères au quotidien et comment la concurrence est forte? Je reviens. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'on nous négocie le Mercosur en parallèle, qu'on compte changer dans nos fermes, ben moi je vous dis, en tant que responsable agricole et en tant que représentant de qui vous êtes aujourd'hui, tant qu'on n'arrivera pas. Et cette année, ces gens-là ne seront pas forcément payés. Eh ben, quand on est jeune, quand on démarre, quand on reçoit, quand on a développé son outil ou quand on cherche à développer son outil, et derrière on ne reçoit pas les aides, entre guillemets, pas qui sont dues, on respecte tout, on fait tout comme on nous le demande, c'est compliqué, ça devient de plus en plus compliqué. Franck l'a dit, on a manifesté pour de la simplification pendant tout l'hiver, pour l'instant on en est loin. Et pour le jeune, aujourd'hui, ne pas toucher ces aides-là, eh ben c'est juste une difficulté de plus. Et parfois même des exploitations aujourd'hui qui peuvent être mises à mal ou qui sont mises à mal parce que justement les traites sont en train de tomber. Voilà, moi je suis très inquiet sur l'avenir. Effectivement, comme l'a dit Franck, que ce soit les jeunes ou la FDSEA, on se mobilisera tout au long de l'hiver, je pense. Et à mon avis, on est loin d'être quitte. De ne pas sortir, parce que je pense que le gouvernement, les annonces sont insuffisantes, les dossiers n'avancent pas, on pense notamment à la PLOA, hein. La PLOA, un gros dossier, mais ce dossier-là n'avance pas non plus, tout est retardé. Donc je pense qu'à mon avis, c'est qu'un début aujourd'hui, et on se retrouvera à mon avis très prochainement. Voilà, je vous remercie d'être venus tous aussi nombreux aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a du soleil, on aimerait faire autre chose. Moi je préférais aussi être en train d'arracher des betteraves, mais bon, c'est comme ça. Les conditions sont extrêmes, ça va aussi. Moi, j'ai aussi une grosse inquiétude sur ça l'année prochaine, sur la reprise de nos sols, sur la reprise des structures. Et je pense que même l'année prochaine, on aura certains impacts dus à cette année 2024 qui a été tout bonnement exceptionnelle. Voilà, je m'en arrêterai là. On prendra effectivement la parole tout à l'heure. Je vous remercie. Rendez-vous à l'ESP dans 5 minutes, on se met en route. Tout de suite, hop là. Thank you.
direction de la France pour amener les droits à l'homme. Et je ne disais pas. Rejoint, merci aux plus de 50 tracteurs qui sont venus aujourd'hui, malgré la météo qui nous est quand même favorable, enfin une fenêtre de tir. Donc merci pour cet effort. Et donc j'ai déjà envie de dire, voilà, si vous êtes réunis, malheureusement, c'est que tous les problèmes ne sont pas encore réglés, et de loin pas. On vient de le constater encore une fois à l'instant, donc pour moi c'est une déception totale. Cette rencontre, en tout cas, nous a rien apporté. C'est-à-dire que le constat qu'on avait fait avec vous tout à l'heure devant la CEA, bah, en fait, est le même encore à ce stade, puisque j'ai envie de dire que on a rencontré un directeur régional de l'agence de paiement qui n'a pas pris la mesure de son job, à savoir un directeur régional, comme je viens de le dire, et donc un département du Bas-Rhin qui a 17% de ses agriculteurs qui ne seront pas payés, c'est-à-dire plus de 500 agriculteurs qui ne seront pas payés, et par exemple un département des Ardennes qui, lui, et à 3% seulement des agriculteurs qui ne sont pas payés. C'est ça qu'on attendait. Et donc la preuve, c'est que quand on veut, on peut. Malheureusement, ici, à mon avis, apparemment, c'est qu'on ne voulait pas, donc on n'a pas pu. Et puis quand on est directeur régional d'une agence de paiement, eh ben, on mutualise. C'est-à-dire que quand on a des problèmes ici, en interne, etc., on mutualise les agents pour justement permettre et faire en sorte que tout le monde soit traité de la même manière. Ça n'est pas le cas. Quand on nous dit qu'il y a eu plus de contrôles ici dans le département du Bas-Rhin qu'ailleurs, eh ben, on trouve ça tout à fait normal. Ce n'est pas le cas, puisqu'on aurait très bien pu aller négocier avec la Commission européenne ou avec le ministère de l'Agriculture pour justement faire en sorte que tout le monde soit traité de la même manière. Ça n'est encore une fois pas le cas. Alors je vais vous dire, il y a un truc qui est arrivé aujourd'hui qui nous était jamais arrivé. C'est des agents même de l'ASP qui nous ont appelés à la FDSEA et pour nous dire tous les dysfonctionnements qu'il y avait en interne de l'agence de paiement et pourquoi les agriculteurs, entre guillemets, ne seraient pas payés à temps, donc des dossiers tatillons. Et donc on nous explique que justement, il n'y a jamais eu autant de tickets. Alors ils appellent ça des tickets, vous savez, de problèmes. C'était quoi le terme exact? Les tickets d'incident, merci Mathilde. Donc il n'y a jamais eu autant de tickets d'incident ici dans le département qui ont été ouverts par rapport au passé. Mais apparemment, on est même le champion de France des tickets incident. Alors c'est vrai qu'on peut s'en féliciter. Moi j'aime bien être champion de France, j'aime bien être le meilleur. Mais si c'est comme ça que l'administration se mesure, à savoir plus qu'il y aura de tickets d'incident, plus qu'on aura de revenir au contact des agriculteurs pour comprendre ce qui se passe. C'est une administration, ça a été dit ce matin, qui ne sait pas faire la différence entre un semis de maïs et un semis de blé, parce que le blé ne veut pas aux agents. J'en veux à tous ceux qui nous contrôlent et qui donnent des ordres à ces agents-là, qui ne sont pas un tout petit peu moins. Mais en tout cas, on ne peut pas accepter que les agriculteurs aujourd'hui se retrouvent dans des situations financières et de trésorerie qui sont catastrophiques. Alors même si on va vous dire, oui, remboursement fin octobre avec la deuxième vague de paiement, le sujet, c'est que tout est décalé pour le 15 octobre. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas calé au 15 octobre. Je rappelle quand même que la situation aujourd'hui, tous les autres dossiers que nous travaillons, c'est tous les problèmes sanitaires pour l'élevage. Fièvre catarrhale ovine, sérotype 1, sérotype 3, sérotype 8. Tous les problèmes sanitaires, à savoir la peste porcine africaine qui est à nos portes. Toutes les problématiques aujourd'hui aussi de maladies, des racines, des feuilles, surtout le respecter, et notamment en termes de simplification. Et puis après, il y a tous les autres sujets qui vont arriver, les normes, la surtransposition, la ministre n'arrête pas d'en parler. Bien, moi, j'attends de voir quand est-ce que ça va arriver. Là, on vient de nous annoncer que l'Union européenne est en train de passer en force sur le Mercosur. Le Mercosur, ça va impacter le lait, ça va impacter la viande bovine, ça va impacter le sucre, ça va impacter le maïs. Et donc, c'est toute l'agriculture que on nous interdit en Europe, qui va être importé, qui va se retrouver dans l'assiette des consommateurs. Et donc, c'est ça qu'on vient revendiquer aujourd'hui. Et il faut que, si, faut que l'administration soit cohérente jusqu'au bout. Donc, on ne peut pas nous mettre en distorsion de concurrence. On ne peut pas nous affaiblir systématiquement et continuer comme si rien n'était. Donc, moi, je vous dis juste à ce stade, et après, je laisserai la parole aux uns et aux autres pour ne pas être trop long. On a revendiqué tout l'hiver. On a été sur les autoroutes, on a été sur des barrages, on s'est mobilisé partout. On ne va pas s'arrêter là parce qu'on n'a pas été entendu. Tant qu'on n'a pas été entendu, on continuera et tout le travail qui a été fait, on ne va pas le laisser filer.
Donc, moi, vous pouvez compter sur moi. Si on est élu de la FDSEA, si on est élu des jeunes agriculteurs, c'est pour vous défendre. Pour se défendre, on se mobilisera. Et vous pouvez prendre tous ceux qui étaient avec nous ce matin dans la salle pour témoin. On ne se laissera pas faire. Quand les gens en face de nous, les administratifs, les directeurs, des agents de l'État ne font pas le boulot, et ben c'est à nous de les remettre au boulot. Et tant que ce ne sera pas fait, on continuera, on ne s'arrêtera pas. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Merci. Merci. On a été reçus par des gens qui ne connaissent pas leur secteur d'activité. Ils ne connaissent pas le département, j'ai l'impression. C'était vraiment un peu le ressenti qu'on a eu. Ils ne connaissent pas leur territoire en règle générale. Le directeur régional, je ne sais pas s'il connaissait sa directrice de département, enfin voilà, c'était assez particulier. J'étais un peu dépité, effectivement, on n'a eu aucune réponse. Tout le monde se cache les uns derrière les autres, pour nous c'est inadmissible. Ils nous ont quand même fait 2-3 annonces en disant que ça risque peut-être d'être réussi au 30 octobre, qu'on sera à 98%. Moi je demande aujourd'hui des actes. On sera au rendez-vous, on maintiendra la pression, ça c'est une chose qui est claire. Ensuite, dans un deuxième temps, on a aussi parlé quand même du désarroi qu'ont certains jeunes aujourd'hui, en tant que fraîchement installés. Vous ne recevez pas vos aides-PAC alors que vous avez vos annuités derrière. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se retrouvent dans la difficulté et je n'ai même pas l'impression que ça les a touchés. Voilà, on a aujourd'hui quelques exploitations aussi qui sont en grosse difficulté et même celles-ci, c'est notamment celles-ci qui ont été beaucoup impactées par ces retards de paiement. Moi, je trouve ça juste inadmissible. Ils n'ont même pas mis les rentes priorité. Ils n'ont pas fait attention aux rentes priorité. Donc, ça veut dire pour moi que c'est du manfoutisme de terrain. Voilà, je ne serai pas plus long encore, je laisserai la parole à Gérard. Merci beaucoup et merci pour votre mobilisation. Semoir pour aller semer 50 mètres carrés de maïs, parce que le champ doit être nickel, parce qu'il doit être parfait, mais on n'a pas l'habitude de faire un trait d'une virgule, de faire un mètre carré sur un plan, parce qu'il y a un truc qui colle. C'est là qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de nous enquiquiner parce qu'il y a un arbre de trop sur le dessin, parce que le trait, il n'est pas tout à fait là. Et tout ça, c'est l'administration, à un moment donné, c'est toute cette politique qui s'est trop complexifiée, et on en arrive à un point que finalement, on n'y arrive plus à le gérer. Mais si on n'arrive plus à le gérer, il faut simplifier. Simplifier. Ça fait un an qu'on dit qu'il faut simplifier. Je pense que personne n'a écouté. Moi, ça fait maintenant à peu près 40 ans qu'on a cette PAC. Moi, depuis le début, à chaque fois que j'entendais simplification, vous savez ce que je disais ? On va simplifier, il y aura une feuille de plus. C'est à peu près comme ça qu'on a vécu la PAC depuis 1993. On va simplifier, on avait une feuille de plus. Maintenant, on n'a pas une feuille de plus, on a à chaque fois 10 clics de plus. Donc, maintenant, ça suffit, il faut arrêter, il faut y aller à cette simplification. Et au niveau agricole, aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est qu'on touche 70% de la PAC. C'est inacceptable qu'il y a 17% des agriculteurs, il y a 500 dossiers dans ce département qui n'ont pas eu l'argent le 15, qu'ils auraient dû avoir le 15, alors que la taxe foncière, je pense que là-dessus, on n'aura pas de problème d'ISIS ou de je ne sais quel nom technique que je ne comprends pas. Je pense que là, les prélèvements vont être faits à l'heure. Là, l'État, il peut être ponctuel, il peut être bon quand ça l'arrange. Mais quand ça ne l'arrange pas, c'est nous qui devons faire le dindon de la farce. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et je vous en remercie. Et puis, je pense que c'est aussi un message donné à l'administration qu'il y a un désarroi dans les campagnes, parce que la campagne, elle est compliquée. Et je pense que je ne vous apprends rien. Je ne veux pas vous faire le curé. Mais sur ce sujet, la campagne est compliquée cette année. Donc je pense qu'au niveau de l'administration, il faut qu'on comprenne aussi. Merci à vous. Alors merci tous les trois, vous avez été plutôt complets. Alors déjà, je vous remercie tous d'être présents. Je remercie aussi les jeunes qui sont au barbecue. Alors ce qu'on a demandé aussi, c'est de rajouter de l'humain dans l'administration. L'humain, c'est bien la chose qui a été oubliée de notre administration. On voit bien, les contrôles ne peuvent pas être faits. Ben vous versez, c'est qu'une avance, c'est ce qu'on demande. Et puis là, face à nous, on avait juste un mur. Le directeur qui au final, on avait l'impression que ça le faisait chier d'être là. Et on a essayé de le bouger, on a été plutôt virulent avec lui. Mais voilà, je pense qu'il aura droit à une deuxième visite prochainement, puisqu'il n'avait pas l'air de trop vouloir nous entendre. Mais on lui a proposé de venir sur le terrain. On se débrouillera pour qu'il vienne vraiment sur le terrain, notamment aux réunions PAC, parce qu'il n'a pas l'air de la connaître. Et encore merci à vous tous, et merci de votre présence, et merci pour votre solidarité.
On va refaire très simple pour moi, c'est-à-dire que c'est la première fois là au niveau national sur Europe 1 qu'on va parler de ce projet de taxe poids lourd. Donc on va reprendre les choses vraiment au départ. Pourquoi est-ce que ce matin ça vous met en colère, vous, les agriculteurs ici? Vous allez être directement impactés par cette taxe? Ben, la collectivité européenne d'Alsace, qui est le département alsacien aujourd'hui, va voter en plénière la mise en place d'une taxe poids lourd qui va imposer, c'est-à-dire qu'on va prélever de l'impôt, on va taxer l'ensemble de l'économie alsacienne, les agriculteurs, l'agroalimentaire, mais aussi l'industrie et l'ensemble des camions qui seront sur les routes, donc à hauteur de 60 millions d'euros. Et donc la question qu'on se pose, nous, c'est pourquoi le département Alsace a besoin de taxer ses concitoyens, alors même que les autres départements n'en font pas de même. Ça, c'est vraiment la première question. Il est question de repousser, d'éviter que les camions allemands traversent justement la vallée rhénane. Sauf que la taxe, elle ne sera pas à la hauteur de la taxe allemande, qui est, elle, une taxe unique, hein, ce qui fait qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence entre les Landes, alors que nous, il y aura la distorsion de concurrence entre les départements. Et donc, on sait que ça ne repoussera pas les camions allemands et que c'est juste un sujet de financement de la collectivité, ce qui, pour nous, aujourd'hui, est totalement inacceptable, puisqu'on se met en distorsion de concurrence. Une fois de plus, on alourdit les prélèvements et les taxes sur les agriculteurs. Et donc on sait qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'air et que les conditions du moment sont quand même catastrophiques dans les fermes. Entre les conditions sanitaires avec la fièvre catarrhale ovine qui a touché tous les éleveurs ovins, qui est en train de toucher tous les éleveurs bovins, les laitiers, on a également le climat. Qui fait que les conditions de récolte sont catastrophiques, les rendements blés cet été étaient catastrophiques, on est en train de démarrer les semis d'automne pour pouvoir récolter les blés l'année prochaine, sont catastrophiques aussi, et donc la trésorerie est au plus bas à l'heure actuelle dans nos exploitations agricoles, puisque les charges ont augmenté quand même, quoi. Des prix bas, des récoltes basses, etc. Et donc on a une collectivité qui se dit Alsace, parce que le président veut sortir du Grand Est, etc. Et il fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il taxe les siens, quoi. Plutôt que de les taxer, en plus, il les taxe. Donc, en fait, on ne peut pas être d'accord sur ce principe-là. Très concrètement, à chaque fois qu'un agriculteur va devoir utiliser son 3,5 tonnes ou plus, pour chaque trajet, il va payer, non? Il va payer à peu près 1 euro de la tonne de betterave, il va payer 1 euro de la tonne de maïs ou de blé qui sera transporté. Ce qui fait que quand vous avez 15 hectares de betterave, vous allez transporter 1500 tonnes de betteraves qui vont être livrées au plus proche à la sucrerie. Et donc, il va payer 1500 euros, entre 1500 et 2000 euros tous les ans sur sa ferme, juste pour les betteraves. Donc, vous multipliez ça par 10, bah, il va payer 20 000 euros tous les 10 ans. Donc, vous voyez un petit peu, quand vous comparez aux revenus de l'agriculteur, vous voyez un petit peu qu'aujourd'hui, on est en train de tout lui prendre et qu'il ne restera pas grand-chose. C'est très clair pour moi. Pour moi, rien n'a changé depuis janvier, tout en colère et la pression monte. La pression monte parce que là la pression elle monte très concrètement parce qu'on a demandé la simplification et là on a une administration centrale aujourd'hui pour laquelle on manifeste également, c'est l'agence de paiement des aides PAC qui n'a jamais eu autant de retard de paiement que cette année. Donc une année normale, on a 5% des agriculteurs qui ne sont pas payés, qui sont rattrapés dans les 3 semaines qui suivent. Là, en l'occurrence, on a 20% des agriculteurs qui ne sont pas payés. Donc on a plus de 500 agriculteurs qui ne vont pas toucher leurs aides. Et alors que derrière, on sait qu'il y a le banquier qui attend pour payer les prêts, on sait qu'il y a les fournisseurs qui attendent pour payer les dettes fournisseurs, etc. Et donc en fait, on a une collectivité qui normalement aurait dû accélérer, on aurait dû améliorer les taux. Et bien en fait, c'est l'inverse, c'est les taux se détériorent. Et donc on est passé de 5% de non-payés à 20% de non-payés aujourd'hui, ce qui est totalement inacceptable. Donc les manifestations aujourd'hui, ben, on voit bien qu'il y a des gens qui vivent encore dans leur tour d'ivoire, ben, il est temps qu'ils sortent sur le terrain, et surtout temps qu'ils simplifient les choses pour pouvoir être dans les clous. Vous menacez de reprendre des actions comme en janvier dernier sur ouais. Les autoroutes. Ah oui, c'est clair. Ah ouais, ça. Là, ça c'est le type d'exemple qui stresse tout le monde, quoi. Là, ça. Là, oui, ça va repartir. Ça va repartir. Là, vous voyez bien, on est en pleine récolte. Là aujourd'hui, c'est un des seuls jours de beau temps qu'on a. Et on est tous là, donc c'est bien la preuve que ça ne va pas s'arrêter. On manifeste aujourd'hui parce que l'État n'a pas respecté ses engagements et on attend que les paiements qui ont été promis soient versés au plus vite. Bon, on nous explique que les contrôles n'ont pas pu être menés à temps. Le paiement qu'on demande, c'est juste une avance. Dans notre métier, quand on a un retard et qu'on a un paiement à faire, on doit le payer à l'État de faire de même.
La colère est toujours présente. Ouais, la situation, elle s'est même tendue. Les récoltes là sont très compliquées. On a une épidémie dans l'élevage ovin qui est en train de frapper très fort et de faire mal. Et donc certaines exploitations sont en difficulté. Donc la situation est vraiment pesante pour les agriculteurs. Donc on attend vraiment que l'État soit réactif. On n'a vraiment pas eu grand chose. On peut dire rien même. Bon, la plus grande chose qu'on a demandé, c'était de la simplification. Donc on n'a pas demandé, il n'y a pas un agriculteur qui a demandé à travailler moins, il n'y a pas un agriculteur qui a demandé plus d'aide. On a juste demandé la simplification pour pouvoir faire notre métier. Et là, rien n'a changé, on voit bien. On a rencontré l'administration et on répond juste que c'est pas possible, on ne sait pas faire. Il faut changer de logiciel maintenant. On continue à mettre la pression et on attend de voir la réaction de l'État et on décidera dans la suite. Tout est envisageable. Bah, on pourrait soit faire des flash actions comme on fait aujourd'hui, soit se répartir sur tout le territoire, soit faire une manifestation centralisée. Ça, c'est le contexte qui nous fera choisir. Ah, tous les sentiments sont mélangés aujourd'hui. Hein. Il y a de la colère, il y a du désespoir parfois. Certains se sentent juste pas respectés parce qu'ils ont besoin d'être entendus et même l'humain a disparu de toutes les chances. Pas respecté par qui, par le gouvernement ? Par l'État et par l'administration. Bah, là, on est vraiment, ce que je disais, les paiements étaient promis au 15 octobre, mais n'arrivent pas. Donc la promesse a été posée et puis au final, on nous dit si c'est pour vous, c'est pas grave. Voilà, donc on est vraiment sur la déception aussi. Là, vous me parlez vraiment de revenus de l'agriculteur depuis janvier, ça a changé. Vous avez eu d'avoir déjà des revenus, ça a changé. Déjà, notre revenu premier qui vient de nos récoltes et de nos élevages, il est mis à mal cette année. Hein. On a la météo, on a les épidémies. Tout ça impacte. Et là, ce n'était pas des aides qu'on demandait, mais on demandait au moins de pouvoir vivre de notre métier. Ouais. La question, c'est que ça va, est-ce que vous en vivez toujours aussi bien, vous en vivez mieux, vous en vivez moins bien, couleur de janvier dernier, elle a permis de aujourd'hui, non, rien n'a changé. Rien n'a changé par rapport au janvier dernier. On a une crise conjoncturelle, mais au niveau de l'administration, la crise est structurelle. Rien ne s'améliore pour aider le revenu des agriculteurs. Et on attend que ça bouge. Ben pour deux sujets, hein. Il y a deux sujets. Le premier sujet, ben c'est la taxe poids lourd qui nous irrite depuis un bon bout de temps, parce qu'en fait, ça va encore plomber notre compétitivité. Ça va surtout plomber notre rémunération, quoi. La compétitivité, voilà, j'en parle même plus, mais notre rémunération. Parce que finalement, la taxe, les produits alimentaires, c'est des cotations nationales, internationales pour certaines. Et c'est pas parce que nous, en Alsace, on décide de mettre une taxe que le produit va être plus cher. Hein. Ça, c'est une vue d'esprit. Hein. C'est une vue très politisée, quoi. C'est pas une vue de quelqu'un qui connaît l'économie. Et c'est ça qui nous irrite en plus, parce que finalement, c'est notre collectivité alsacienne qui devrait nous comprendre, parce que c'est notre économie alsacienne. Parce que quand je parle, par exemple, du sucre, c'est un domaine que je connais très bien, aujourd'hui, le coût de la taxe, ça va représenter, grosso modo, 1 euro la tonne de betterave. Donc pour une exploitation moyenne alsacienne qui fait la moyenne, hein, qui fait 1300 tonnes de betterave, eh ben c'est 1300 euros par an pour un agriculteur. Encore une fois, une paire. Le deuxième sujet, c'est la SP. C'est aujourd'hui, on est là, le paiement des subventions au niveau agricole, aujourd'hui c'est un mal nécessaire, on l'accorde. Et en fait, aujourd'hui, la SP, on a en Alsace 500 dossiers, 17% de nos agriculteurs, 1 sur 6, plus que 1 sur 6, n'a pas eu ce paiement le 15 octobre, parce que le dossier n'était pas fini, parce qu'il manque une virgule à un dossier, parce que le satellite n'a pas vu une parcelle. En fait, c'est tout ça, c'est des détails incompréhensibles pour un agriculteur qui, lui, se décarcasse à longueur de journée pour aller traiter sa culture, pour aller soigner sa culture. Et là, on enquiquine pour un arbre qui a fait de l'ombre, pour un machin qui ne devrait pas y être. Et du coup,
dès que tu as par exemple quelque chose qui n'est pas là, et en fait ce qui se passe, comme l'année n'était pas très lumineuse, le satellite, souvent les photos n'étaient pas claires. Et du coup, l'administration a dû retravailler toutes les photos, et donc ils ne sont pas à l'heure. Mais ça, nous, on ne va pas le savoir. Ça, c'est de la technique, ce n'est pas le sujet. Le 15, on a droit à un certain argent. Le 15, l'État nous cherche l'ensemble de la taxe foncière. Là, ils sont à l'heure. Pour chercher l'argent, ils sont à l'heure, mais pour nous le payer, ils ne sont pas à l'heure. Ça, c'est inacceptable. Et ça, ça fait de la colère. Le revenu des agriculteurs, il a pas bougé depuis janvier, mais vous en vivez pas de votre métier. Le revenu des agriculteurs, c'est très compliqué. On a connu des années, il faut être honnête, il y a deux ans, l'année était un peu meilleure, on a connu des chiffrages un peu meilleurs, mais là, ça fait deux ans que ça dure. Parce que là, en fait, ce qui se passe, en plus, les années sont catastrophiques en termes de productivité. On est dans l'effet ciseaux, on achète des produits très chers, et puis on a revendu, le prix des produits a baissé. Alors moi, ça me plaît bien quand on dit l'inflation, on va la contenir, quoi. Surtout, il faut baisser les prix. Bien sûr qu'il faut baisser les prix, mais il faut qu'on nous baisse les charges aussi, pas que les prix. Et les prix, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on a une baisse de prix, mais les charges n'ont pas baissé. Vous savez, on nous pleure toujours on nous pleure toujours à dire que quand le blé est cher, le pain doit augmenter. Sauf que quand le blé est moins cher, ce qui est le cas aujourd'hui, moi, j'ai pas vu le pain de Bimimi. Alors, je sais pas où est la différence. Mais il y en a une quelque part. Hein. C'est que notre produit de base, c'est toujours la variable d'ajustement. Bon, ben, moi, les agriculteurs, dès que je rentre là, depuis janvier, rien n'a changé. Ben, en fait, on a pas eu vraiment... On a eu un certain nombre de réponses. Alors, au niveau du gouvernement, c'est vrai que c'était compliqué, mais ça, pareil, c'est pas notre problème, quoi. Nous, l'année a été très compliquée, parce que météorologiquement, on vit une des pires années que j'ai connues. Moi, j'ai 40 ans de carrière. Météorologiquement, je crois que c'est la pire année que j'ai connue depuis tous mes débuts. Donc, faut aussi prendre tout ça en compte. Notre métier est compliqué sur ces sujets-là. Et en plus, il est maintenant compliqué administrativement. Et je pense que là-dessus, il faut à un moment donné se dire, maintenant, il faut arrêter, quoi. Aujourd'hui, au niveau des simplifications, on n'a pas vu, on a vu quelques petites choses, mais il y a beaucoup de choses à refaire. Et je pense que là, c'est bel exemple, ce paiement qui n'arrive pas à l'heure, c'est parce qu'on n'a pas su simplifier. Vous avez senti écouté, respecté par le gouvernement? Je ne sais pas. Alors, vous savez. Écouter, on peut toujours. Mais écouter ne suffit pas, il faut agir. Nous, ce qu'on veut, c'est des actes, c'est pas que d'être écouté. Il faut des actes, c'est ce qu'on dit. Voilà. Pas énormément, non. Vous savez, au niveau agricole, aujourd'hui, dans les toutes prochaines semaines, ici, ponctuellement, et ça, c'est tout honneur à tous mes collègues qui sont là aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on est pratiquement une des premières belles journées. Et il y a pas mal de récoltes à faire, il y a pas mal de semis à faire. Et un agriculteur, son objectif, c'est toujours de produire. Et il lâchera jamais sa production. Et même si on va manifester, même si on fait savoir notre colère, notre production, elle est assurée. Et elle a toujours été assurée. Sauf que demain, si on ne fait pas gaffe, notre potentiel agricole, il risque d'être détruit et de ne plus être au rendez-vous. Et c'est ce qui est en train de se passer, parce qu'on perd trop d'agriculteurs, parce que la rémunération n'est pas au rendez-vous. Le métier ne fait plus envie, et donc du coup demain, déjà aujourd'hui, dans beaucoup de productions, la France, elle est importatrice. Il faut faire attention, parce qu'on parle de re-industrialiser la France, il ne faudrait pas que dans quelques années, on parle de re-agricoliser la France.